j'espère que ça va bien. Je vous retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You. Je dirais toujours le fly, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a pas ma tête. J'ai un bug, la caméra ne veut pas se mettre. J'essaie pour la semaine prochaine. Promis, on continue. Chapitre 2. Je pense que je vais le faire en entier, hein, parce que... On va faire ça, quoi. Avant-hier... Avant-hier, il y a cette fille Juliette qui est venue me parler de Mélanie. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller la trouver. Bah voilà, elle nous a trouvé. Salut Saïwa, c'est juste pour savoir si t'étais toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Oui. Oui. Très bien. À tout à l'heure alors. Ok, elle est avec une pote. Bon, je me disais que... Ah oui, je devrais aller retrouver certains de mes camarades dans le début des cours. J'étais pourtant certaine que c'était en 40e. Mais non, le Père Noël se crie, c'était en 6e. En 4e, pardon. Oh putain. En cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Non, le Père Noël en 6e, s'il vous plaît. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan. Avec... Et des boucles d'oreilles de Rachel. Ah, d'accord. Tu ne peux pas comprendre sa date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret. Et j'étais tombée sur Evan. Et Evan sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rach et le... Rach. Et le collier d'Evan. Je bug. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. On n'est pas en seconde, non? Vous devez être Mademoiselle Saïwa Sky, c'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours. Oui, c'est ça. Je suis Monsieur Xiaski. Votre professeur de français. Bienvenue au lycée HB. Ah, oh, sorry. Oh non, c'est vrai que c'est très difficile à dire. Merci. Vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours. Pas de problème, merci. Le cours est déjà... Et c'est terminé assez vite, par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Enchantée, les maths durent très longtemps parce que c'est chiant, voilà, on est d'accord. Pourtant, les deux cours font 1 heure. Comme c'est la récré, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe. Tu peux pas faire attention, ça te ferait du mal de t'excuser. Je suis désolée. Bon, ma faute, mais pas. Fais gaffe. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok. C'est toi qui m'est rentré dedans, fils de pute. Fais gaffe la prochaine fois, c'est lui qui m'est rentré dedans. Bref. Je suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée d'ici. Putain, c'est fou, elle a pas de... position. Nuggets. C'est pas possible, ok. Super, merci. Beaucoup, à plus. Ah, salut Saïwa, Juliette ne devrait pas tarder. Salut. Je l'ai entendu lui parler ce matin, elle a un nom anglophone, je n'arrive pas à me rappeler exactement. Je crois que je sais essayer de murmurer un prénom au hasard. Je veux dire, tu t'appelles comment toi? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor. Je suis une amie de Juliette, t'inquiète, ça n'est rien. Taylor, ça me fait penser à l'effet, c'est pour ça que j'ai bugué. Saïwa, prête à écouter ce que j'ai à dire? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle m'a pas appris grand chose que je n'avais pas déjà entendu. Et je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça, oui. Bon, pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège. Et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en 3e à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui apparemment était amoureux de Béatrice. Et Juliette et Béatrice le savaient, ok.
et il détestait Juliette. Alors, il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pensait pour Béatrice. Les trois ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont redevenues amies. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège. Enfin, la plupart, c'est vrai que je ne sais pas quoi penser de Juliette. Je sais pas. On n'a rien à foutre, quoi. Bah, elle m'a rien fait, quoi. Donc, il faut la comprendre aussi. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue. Mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Tiens, il y a une clé par terre. Je la prends. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner comme ça. Comme elle est sur la route, une voiture pour l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat civil. Ah oui, d'accord. Bon, je devrais vite aller en cours. Oui, parce que voilà quoi. Ils sont en train de rentrer en classe. Ah bonjour. Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il garde son collier. Hey, Evan, les autres sont déjà rentrés? Oh oui, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a mis son collier, a ouvert la porte et me l'a tout mis. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée. En fait, c'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Et après, ah. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel! Ah, recoucou, Sayoa! Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là, toi aussi. D'habitude, je restais avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu veux en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputé hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas venir. Je ne lui demande pas non plus de choisir moi plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort, c'est mes 16 ans quand même. D'ailleurs, tu as évité, bien sûr, je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi, il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne venir que genre 5 minutes, mais non. Enfin, voilà, désolé de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien. Je suis désolée pour toi. En plus, c'est pas ma journée, déjà j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlerait de la clé que j'ai trouvée? Si j'avais su ça, que ça ouvrait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses comme. Bah, je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci, je l'ai trouvée devant le lycée. Oh oui, merci infiniment, tu me sauves la vie, merci. Je te revaudrai ça. Non, bah non, mais what the fuck? La réconforter. Moi, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu pourras toujours essayer de le convaincre demain, tout seul. Il a largement le temps de réviser. Tu as raison, merci beaucoup. Bon, tu sais quoi? Ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi. On va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invité à son anniversaire demain soir, mais comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Elle est toute jolie. Voilà, c'est parfait, ça te va tellement bien. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu t'habilles pas plus souvent comme ça? Ça te va super bien. Ben, je sais pas, c'est très habillé, j'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu la portes vraiment bien cette tenue. J'ai essayé de changer de conversation et d'histoire d'en apprendre un peu plus sur elle pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle dit, elle a l'air d'aimer les bijoux. Les bijoux, voilà. Bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. Bah, elle a que ses boucles d'oreilles, quoi. C'est quoi ton film préféré? Je vais vraiment mettre la Reine des Neiges, tant pis. Je mets le 2 parce qu'il vient de sortir. D'accord, je prends note. Oh non! Imaginez, elle nous offre un truc genre de la Reine des Neiges 2, genre. Ce serait tellement bien. Enfin, ouais. Bon, en ce moment, c'est ça. J'ai pas vraiment de film préféré sinon.
D'accord, je prends note. On a encore discuté un peu et puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain. Salut, à demain. Je suis épuisée, je vais vite me mettre en pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Donc voilà le jour J, c'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut dire que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève du lycée HB. Tiens, il y a Evan devant le lycée. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein? Quoi? Non? Rien de particulier? Je t'assure, ouais, c'est l'anniversaire de Rachel. Non. Dommage qu'il n'y ait pas Émilie, elle aurait pu décoder et me dire ce que je veux entendre. Au fait, tu es invitée à l'anniversaire de Rachel ce soir? Vous êtes amies d'enfance, non? Oui. Tu es invitée toi aussi, c'est cool. Tu sais qui il y aura du lycée? Parce que, à part Rachel, Émilie et toi, je ne connais pas grand monde. Émilie ne peut pas venir, elle ne m'en a pas dit plus par contre. Oh non, elle pourra pas les caser! Il y aura Béatrice qui est en première L. Une autre fille de la classe d'espagnol de Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Ah, il vient quand même. Les autres sont des gens qui étaient dans notre classe à Rachel, Émilie et moi, en troisième, je crois. Comment tu sais tout ça? Elle a créé un événement sur Facebook, j'ai juste regardé les gens qui étaient invités. Au fait, il faudrait que je pense à t'ajouter en ami. Ah, mais il n'y aura pas Alex si Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Zut, c'est sorti tout seul, elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? Non, c'est excusé. Non, je sais pas, enfin si, mais c'est que genre... c'est que j'ai cru comprendre que, enfin bref, tu n'es pas censé savoir, ça m'a échappé, je m'excuse. Je suis désolée, Rachel m'avait demandé de garder ça secret. Pas de soucis, je comprends. Au fait, elle est où, Émilie? Je ne sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître au tout début du premier cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je t'assure. C'est la même chose. Ok, je vois. Evan, c'est ça, je suis désolée. Est-ce que je peux t'emprunter Saiwa quelques secondes? Pas de soucis. Je vais dans la salle, à tout de suite. Yes. Saiwa, je la laissais parler. Oui. Je m'excuse de ne pas avoir réagi aux attaques de Mélanie. On ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Non, là, je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure ce midi? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11h à 13h, j'ai 2 heures pour manger. Pourquoi? Ah, parfait, on répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé? Il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a y perdre? D'accord. Mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Eh bien, elle est facile à trouver. C'est au premier étage, la salle là-bas. On m'a montré une salle du doigt, elle est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. Oui, c'est ça. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. Cours! C'était joyeux anniversaire à Rachel. Oui, bah oui. Bon anniversaire, Rachel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est dommage que tu ne viennes pas, Émilie. Ouais, je suis désolée. Tu me caches un truc, toi. Je te vois, Émilie. Allez, allez, à vos places. Je n'étais pas vraiment concentrée sur le cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les deux matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Il fallait que je trouve un cadeau pour Rachel, et puis il y a cette histoire de salle de musique. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle en question. Rachel, Émilie et Evan sont allés au CDI. Il n'y a encore personne. Regardez dans le couloir. Ah tiens, je crois que je la vois arriver avec deux garçons. Salut. Bon, Saïwa, je te présente Ben. C'est le grand frère de Josh. Ah, d'accord. Et accessoirement notre batteur. Coucou. Salut. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, avec votre groupe. Comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes amis? Je vous vois presque tout le temps ensemble, en plus. Enfin, je sais pas.
Ah ouais, je comprends. Mélanie pense que nous faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh, mais elle ne veut pas l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe, elle est en S et moi en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun, hein. Du coup, le peu de fois où on peut se voir. Il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Saïwa est dans le même cas, mais en la connaissant un petit peu, Mélanie, je vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? C'est beaucoup plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps. C'est pas si simple. Pour toi, c'est très simple. Relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte, égale poubelle, direct. C'est vrai qu'il a raison. Bon, pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. J'avoue que. Donc, je te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalistes et Josh doit accorder sa guitare. C'est notre rituel avant une répète. Comment ça se fait que tu n'aies rien à faire en préparation, toi? Amateur de génie comme moi, je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Oui. Bon, sinon, première impression du lycée HB. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Moi, je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu l'ange de gardien. Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue externe, comme toi et ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Comment ça, d'un point de vue externe? Toi, tu es nouvelle et moi, je ne suis plus du lycée depuis l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Bah non, mais c'est logique, il vient répéter, grosse conne. Mais ça se passe pas les je sais pas. Bon, quand même, on m'a dit ça, mais. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je m'incruste parce que les histoires, les ragots, les disputes, l'action, quoi. Tout ça me manque. Non, plus sérieusement. Comme la salle de musique et ses instruments n'ont plus d'utilité depuis qu'il n'y a plus cours de musique au lycée, elle est en abandon jusqu'à l'année dernière. Du coup, j'ai demandé au conseil de la vie lycéenne un truc comme ça. De demander l'accord de la CPE pour utiliser la salle comme on le souhaite. Béatrice avait demandé la même chose, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les trois. Comme j'étais là l'année dernière et que la CPE m'aime bien, elle m'a laissé continuer à venir ici de temps en temps. Et Josh et Béatrice sont responsables de la salle maintenant. Du moment qu'ils ne vont pas en dehors de leurs heures de creux, qui n'abîme pas le matériel, qui laisse la salle propre, blablabla, tout est ok. Je vois. On est prêt. Ils ont répété, c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici par contre. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller nous aussi. Les heures de cours vont reprendre d'ici un quart d'heure. Déjà? Vous ne pouvez pas jouer une dernière, s'il vous plaît? Non. Ok, bye. À la prochaine et fais attention en sortant. Salut. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Ah! Comment elle a su? Ouais, grave. Bon, ciao, à plus. Bisous. Quoi? J'ai demandé des explications. Qu'est-ce qu'elle fait d'elle, Mélanie? Hein? Oh, genre trop bizarre, je cherchais Evan et elle vient me voir pour me dire « Tu pourrais arrêter de m'appeler la plastique ?» Vachement crédible, hein? Vachement culotté? Ouais, grave, enfin... Bref, je veux pas chercher à comprendre. On y va? Ok. Émilie? Tu commences à descendre de mon estime, genre vraiment tout bas. Genre vraiment, tu vois, t'es tout bas. T'es à côté de Mélanie, là. Je vais devoir garder un œil sur elle. Même Voldemort aurait senti l'aura de mensonge qui émanait d'elle, pardon. Finalement, on est
aller directement devant la salle. Evan ne devrait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui en parler, mais je ne préfère pas l'embêter avec ça pour l'instant. Il était vraiment souriant ce matin. Il ne vaut mieux pas le contrarier. Ah! Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêchée pour aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Et là, on va voir Evan. Je n'avais que 40 euros, j'ai pas pu acheter grand chose. J'ai pris un collier à 15 euros. C'est déjà bien. Hein. C'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à une personne qu'on connaît depuis 3 jours à peine? Je suis passée en vitesse chez moi, me changer, je suis partie chez Rachel. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hey, salut Saïwa! C'est pas changé lui, hein. Recoucou! Wow, ta tenue est superbe. Merci. On a sonné, Rachel nous a ouvert et nous a demandé de rejoindre le salon. Pendant la fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant des films d'horreur. C'était vachement fun, même si sur le coup, je trouvais pas ça très drôle. Puis un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec les gens qu'ils connaissaient. Bon, ça va sinon, la discussion a vite tourné en rond. Et comme je ne savais pas quoi trop dire, j'ai décidé de quand même lui parler d'Emily. Au fait, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai vu Emily parler avec Mélanie. Et elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre, vraiment bizarre. C'était où que tu l'as vu? En sortant de la salle de musique au premier étage. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je viens de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant que je vienne, puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Mélanie parler, Emily parler avec Mélanie. Oh. C'est horrible! Elle est derrière moi avec une fille que je connais pas. Je me suis tournée vers elle, puis elle a acquiescé comme si elle ne savait à quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire que ça explique pourquoi elle est si distante dernièrement, mais ça n'explique rien en fait, ça fait juste une question de plus. Au fait, ça fait longtemps que Rachel est partie. Tiens, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Même Evan n'avait pas remarqué, eh bien. J'entends des bruits qui viennent de dehors, je vais aller voir. Ok. Comment ça, Alex? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée, je n'ai pas de temps à t'accorder. Ça fait déjà quelques temps que je suis obligée de sacrifier mes séances de télévision, tout ça pour rester avec toi. Ne comprends pas ça de travers, ça ne me dérange pas, mais notre relation me prend beaucoup de temps, et je préférerais qu'on fasse une pause. Tu sais, tu peux me dire tout de suite si tu veux me quitter, hein. Tu as juste... à me le dire que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. À plus, Rachel. Quoi? Cet épisode, c'est n'importe quoi. Alors déjà, l'histoire entre Juliette, Mélanie et Béatrice, c'est n'importe quoi. Déjà, Emily, what the fuck, Emily et Rachel, what the fuck, Alex, tu vas te calmer tout de suite, hein, parce que, ok, ben, nous on va s'arrêter là, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, bye bye.